Salut tout le monde. Alors, le matin, moi, pour ma part, je suis en général sur les 40 canaux. Quand je suis en repos, comme ça, tous les matins, je suis du côté des 40 canaux. Alors, pour ceux qui parlent les différentes langues des pays de l'Est, par là, des ondes. Voilà. Alors maintenant, faut aimer le bruit criard de la FM parce que là, j'ai des filtres qui sont mis quand même. Y rester trop longtemps parce que ça me déclenchait des crises d'acouphènes. Désolé, mais à cause de ça, déjà la FM, c'est pas pour ça, la FM, c'est pas mon truc. Là, pour mes oreilles, ça va mieux. Alors, c'est vrai, hein. Mais bon. Comme tous les autres modes, hein, la FM, ça a ses qualités comme ses défauts. Hein. Certains mettent la FM sur un piédestal, c'est une grosse erreur. Hein. Quand la propague n'est pas top, ben, la FM est dégueulasse. Hein. Et ceux qui condamnent l'AM, on peut faire de très bons délais avec son AM. D'ailleurs, tous les jours, par exemple, même si pour certains c'est pas une référence, il y a le Canal 6 avec les Américains en AM. Oui, ça crachote, hein. Voilà. La FM, ça crachote. Hein. Alors, c'est pour ça que, je répète, chaque mode a ses avantages et ses défauts. Il n'y a pas un qui est meilleur plus que l'autre. Il faut adapter le mode à la situation. Mais bon, après, contre les phénomènes de mode, on peut pas aller contre. Alors pour ces pays-là, bon, eux, par contre, ils n'ont pas le choix. Revenez ici l'après-midi. Là, vous verrez que la M, eh bien, ça passe très bien en DX. Oui, la station pour Rémi. Oh la vache, 54, oh toi t'es pas loin. T'es pas loin, même si la porte en direction du Québec est ouverte, parce que là je viens de faire un essai, t'es pas loin. Effectivement, c'est dans l'environde, à l'ébranché de 14 km 52 607, actuellement en Gironde, à 6.
Ok. Eh bien, dire qu'il y en a qui sont payés à se balader, eh bien, t'as de la chance. Tu vois, moi, après, je vais embrayer, moi, tout le week-end, là, en journée. Ah oui, la journée et la nuit avec. Bah, c'est vrai, ça. C'est ça, on se promène et on pousse au dehors. Et t'arrives à trouver le temps de dormir quand même? C'est très compliqué de dormir, c'est très compliqué de manger, comment te dire. Eh, hey, tu vas pas me dire que tu ressembles à un Éthiopien? Ah, quand même pas. Ah, tu m'étonnes, faut nourrir son homme quand même. Ah, c'est clair. Mais il est pas levé encore, Jules. Il y a peut-être une autre raison. le vendredi, son XYL travaille au QRA. Elle est en télétravail. Donc déjà, le vendredi, il n'y a jamais de vidéo de son côté parce qu'il faut qu'il mette les écouteurs. Alors, je sais pas. Hier, c'était une panne. L'OM était en panne. Eh oui, c'est pire qu'un gosse. Un gamin, tu dois lui dire quand il doit aller se coucher et tout, ceci, cela. Eh bien, lui, c'est pareil. Résultat, hier, eh bien, à force de dormir... Ah, j'entends du monde derrière. Ouais, j'ai une oreille sur le web, les web SDR là, du côté du Québec. Et à force de dormir très peu, 2, 3, 4 heures, allez, on va peut-être être gentil, 5 heures, grand maximum, chaque nuit, ben, à un moment donné, le bonhomme y tombe. Et hier, allez, s'il est derrière, il va rigoler, et ben il n'a pas trop aimé de se réveiller à midi, là, pour le coup. Hier matin, il est, ou plutôt pour lui, hier soir, tard, je sais plus. Bon, bref, si, enfin, pour ma part, hier matin, j'ai eu un message de lui. Je lui ai posé une question, à la réponse, je ne l'ai pas vu venir. Il a posé le téléphone, il s'est endormi jusqu'à midi. Ah, ouais, quand même. Ah, bah, il y en a qui ont de la chance, ça s'appelle une grâce matinée, ça. Ah, ouais, moi, c'est pas de chance. Bah, toi, moi, c'est pareil, bah, je dors de 4 nuits par nuit, je dors 4 heures par nuit, donc maximum. Donc, toi, c'est pareil, ça devient compliqué, là. Ah la vache. Ah ouais, d'accord. Ça fait pas beaucoup, c'est pas assez, ça. Bah non, mais tu vois, même quand je suis au courant, c'est pareil. Je dors pas plus. Donc, voilà. Mais c'est comme ça la vie, si moi, je vais faire un blanc, s'il y a du monde derrière. Non, j'ai monté un peu le volume là des deux web SDR. Hein. Là, Ottawa plus Montréal. Mais non. J'ai. Ah mais attends, qu'est-ce que j'entends? Ah mais c'est moi que j'entends dedans. Ok. Non, c'est calme. Ah c'est ça, c'est toi en fait. À chaque fois que tu me dis que t'entends du monde, c'est toi en fait que t'entends derrière. Ouais, il y a des fois je me fais avoir comme ça. Je me suis dit, tiens, j'entends une station derrière, je vais lâcher le micro. Ah bah oui, quel con, c'est moi, quoi. Et c'est comme ça aussi que je sais si ça passe du côté Québec. Comme là, tout à l'heure, bah, t'as dû m'entendre certainement. j'ai fait un petit test hein, pour voir. D'ailleurs, j'ai laissé un message à Gilles, mais bon, il n'a pas regardé son téléphone. Donc, il a encore dû laisser le téléphone à côté du poste, là, en bas. Enfin, disons que chez lui, il a un demi-sous-sol. Voilà, donc, il a dû laisser le téléphone en bas, quoi. Elle a interdit du téléphone, là, si. Elle a
Oh, je la sens pas comme ça. Je la connais pas personnellement, mais je la sens pas comme ça. À mon avis, c'est plus. T'as un souci avec ton ordinateur, cherche, tu trouveras. Je dis ça comme ça parce qu'à son niveau, c'est du vécu. Ouais, mais bon, elle écoute de temps en temps comme ça ses vidéos, mais pas les miennes. Du moins, j'espère. Oh, je dis pas de mal en plus. Hein. Non, là, je dis pas de mal. Parce que là, dans la petite anecdote, justement, concernant, il a des caméras qui doivent pouvoir se brancher sur l'ordinateur. Ben, il a toujours pas trouvé la solution. Hein. C'est. Bon, déjà, il faudrait qu'il voit s'il a les bons drivers. Voir quel logiciel qu'il faut installer pour la prise en charge et tout ça. Bon là déjà ça lui parle chinois là. C'est pas que j'ai entendu du monde. Ouais, vu le bruit que ça a fait, ça devient de la FM à mon avis. Oh oui. Oh oui, confirmé. Vu le bruit de galasse que ça a fait, ça c'est de la FM. Au fait, si tu veux envoyer le bonjour à du monde, profite-en. Hein. Ouais, t'as ah, tu m'étonnes. En plus, je crois que ça doit être une YL à mon avis. Hein. Ouais, je disais, si tu veux envoyer le bonjour à tout le monde, profite-en. Voilà, comme dirait l'autre, c'est dans la boîte. Et surtout que je sais que tu blagues avec ça. Et ce matin, quand même, j'en ai expédié 6 hein, sur YouTube. Hein. 5 de Gilles et ah ben plus une sixième de Gilles aussi avec. Comment dire, dans la déconnade. Oh je sais plus. C'est rigolo, allez, on va dire ça comme ça, puisque c'est de la rigolade. Avant-hier ou enfin dans la nuit d'avant-hier, bon, il m'envoie ces vidéos là sur un serveur et blablabla blablabla. Ok, il m'en a envoyé en double. Et il me dit que la liste est avec. Sauf qu'il n'avait pas fait gaffe qu'il m'en avait envoyé en double. Donc pour lui, je devais tout avoir. Alors quand j'ai pu tout récupérer, enfin autrement dit hier soir. Je te garantis que j'ai fait dardard à tout travailler et ce matin, allez hop, en ligne. Et pour hier, pour le coup, il m'en avait envoyé deux petites sur Facebook. Ah, j'aime pas de ce côté-là, c'est chiant. Quoi. Et bon, allez hop, je t'ai assemblé les deux vite fait. Allez, ça a mis avec sur son compte YouTube. Allez, emballé, pesé. Ouais, franchement, t'as bien raison. Si j'y suis, c'est uniquement pour promouvoir, redynamiser la CB, uniquement pour ça. Sinon, j'y serais pas, hein, pour ma part. Hein. Je préfère largement être sur la CB que sur tout ça. Hein. Oh là oui! Oui, oui, tout à fait. Hein. Mais bon, après, comment faire parler de la CB, la remettre en avant et tout, sans Internet. Là, aujourd'hui, je vois pas.
Pendant quelque temps, je l'ai eu fait, effectivement. J'allais dans les centres auto, stations essence, ceci, cela. J'en ai bouffé des kilomètres sur la Gironde. Et puis, bon, à un moment donné, il faut se faire une raison. Hein. Ça commence à me coûter trop cher en carburant, donc stop. Et je sais plus, 2013 ou 2012, je sais plus. 2013, ouais, quelque chose comme ça. Là, j'ai commencé à voir du côté internet. Ah, là, c'est sûr que j'ai fait des économies de carburant, là, depuis. Ah, bah oui, bah, c'est. Ouais, t'as raison. Bah, de toute façon, comme tu dis, de toute façon, il n'y a pas le choix. Quand il n'y a pas le choix, il n'y a pas le choix, hein, comme tu dis, là, ça. Il n'y a que comme ça que tu peux faire tomber les infos, hein, de toute façon. Donc, voilà, hein. Ben oui, disons que les gens attrapent plus facilement le téléphone portable, vont plus facilement regarder sur l'ordinateur que de sortir de chez eux et puis aller ou alors regarder quand ils vont faire le plein ou dans les centres auto jeter un coup d'œil. Non, ça non. Tiens, petite anecdote là encore ces jours-ci. Il y en a un qui me demande où c'est qu'il peut trouver du tube d'antenne. Quelle adresse internet je peux lui donner? Non mais du tube d'antenne. J'ai dit non mais déjà tu vas au magasin de bricolage de ton secteur et tu vas et il y a des mâts d'antenne de partout. C'est dans tous les magasins de bricolage on trouve du mât d'antenne. Non, le réflexe des gens, c'est d'aller sur Internet, chercher sur Internet pour trouver quelque chose qui, certainement, au bout du compte, va leur coûter plus cher, puisque après, en frais d'envoi, c'est plus la même chose. Alors que là, ils vont dans les magasins de bricolage, ils trouvent tout ce qu'ils veulent. Voilà, c'est. Enfin, au niveau installation, ils ont tout ce qu'ils veulent. Mais non, tu vois, pour les gens, c'est plus facile d'attraper le téléphone ou de regarder sur l'ordinateur au lieu de sortir de chez eux. Ah. Oui, c'est sûr, il n'y a pas de. Enregistrez le break. C'est facile de critiquer tout sur les réseaux sociaux aussi, hein, il y en a qui font que ça. Je crois que j'ai entendu un break, je l'ai fait rentrer le break. Ok, en avant le break. Ok, enregistré aussi, je sais pas, c'est peut-être une station étrangère qui est passée en QRP derrière. Les 73-51 retournés, 14 km 33-01, Rémi Dandy 33 à côté de Saint-Émilion. Eh ben ça passe bien là, là de ce côté-là. Parce que là, la propague est plus orientée côté Québec. Quoique, ah si si, je m'entends encore dans les haut-parleurs. La propague est plus orientée du côté Québec que le département français. Et oui, bientôt, le mois prochain, je sais plus si c'est autour du 12, je me souviens plus, il faudra que je rate sur le calendrier. Ouais, j'irai faire un tour à Radio Broc. I listen to Tito, but I don't know who speak with you. I don't know. Anyway, no problem. This is try to talk to you. I hope. Qu'est-ce qu'il nous fait lui? Voilà, là, j'ai les Canaries qui est venu s'installer là sur la fréquence sans même regarder s'il n'y avait pas déjà un QSO et tout. Et vu comment il m'arrive, c'est sûr qu'il m'entend. Là, il n'y a pas photo. Je vais faire un retour de micro parce que là, j'ai pas du tout eu Roger de ce que tu m'as dit. J'ai fait un retour de micro sur Barracuda 56. Qui est deux passages là sur le sud-ouest. Affirmatif, oui, j'y serai. Oui, c'est Barracuda 56 qui est là dans le QSO. Je lui fais un retour de micro. La station, il n'y a pas de souci, moi je t'entends très bien.
Ça, c'est fait exprès, ça. Ah, il me perturbe les oreilles, l'autre. Il m'arrive avec un Santiago de neuf en plus, là. Au secours, au secours, au secours. Oh, là, il a basculé sur directive. Jérôme, je crois. Oh, je sais plus. La station de Marmande. Vu comment le signal a baissé, là, il a basculé sur directive. À tous les coups, retour Barracuda. Ouais, ça devient compliqué avec la surnomination là, qu'il y a, là. C'est compliqué de conversation. Hein. Ah oui, c'est sûr, hein. Les mecs, ils mériteraient là qu'on se monte une directive et braquer sur eux. Hein. Là, qui comprennent bien, pendant qu'on continue à moduler, ou alors coupler une verticale à une directive, hein, puisque moi je préfère être sur verticale, que ça au moins j'ai pas à m'embêter, ah je suis feignant, hein, j'ai pas à m'embêter à tourner l'antenne, mais imagine coupler une verticale à une directive, et chaque perturbateur, paf, tu diriges la directive sur eux pendant que tu continues ton QSO. Quoi. Alors là, pour le coup, ils n'entendent plus rien. Oh, cette connerie, ouais, ça me rappelle quelque chose, ça. Justement, du côté mille pattes, il y en a quelques-uns qui ont fait de ces installations. Antenne directive sur le camion, antenne filaire aussi sur le camion. Et mais c'est plus, vu ce que c'est comme installation, c'est plus des radios amateurs en plus. Hein. Les mecs, ils osent, hein. Et ça marche très bien. Et au fait, en France, il y a un OM mille pattes, ah, je sais plus comment il s'appelle, qui à chaque fois quand il s'arrête quelque part, monte une antenne demi-onde de fixe. J'ai entendu plus parler de ça. T'as des infos? Tiens, ça marche mieux que sur le camion alors. D'accord. Ah oui, remarque, ouais, c'est une solution. Hein. Mais bon, après, le bidon, faut pouvoir le... Déjà, faut pas qu'il soit trop gros pour que la remorque puisse se balader derrière. Enfin, je veux dire, quand ça tourne. Et il faut que l'antenne soit bien dégagée quand même par la même occasion, quoi. Donc, ça veut dire attacher le bidon en hauteur. Waouh. Alors là, j'ai une image complètement tordue qui me passe en tête. Je suis pas sûr là. Non, il posait le bidon par terre et il mettait l'antenne dessus. C'est-à-dire que quand il roulait, le bidon il était remonté dans la fille. Non, c'est pas. Il n'avait pas installé ça sur le camion. Hein. Non, c'est quand il s'arrêtait. C'est quand il s'arrêtait, ça retenait.
Ah, d'accord. Ah, je voyais plus le genre d'installation comme les camions qu'on déclime, un truc comme ça, quoi. Là, sur une espèce de tablette fixée à l'arrière de la cabine. Voilà, donc le bidon mis à cet endroit-là et l'antenne qui dépasse au-dessus du bidon, quoi. Du camion. Ah, si c'est un bidon de 500 litres, ah, je crois que j'ai entendu quelqu'un. Si c'est un bidon de 500 litres, tu m'étonnes. Ouais, je crois que c'est ça, hein, 500 là, les gros. Oh, je sais plus. Attends, j'ai entendu quelqu'un derrière, je vais laisser un blanc. Bon, ben il a dû virer au rouge parce que je n'entends plus. Je crois qu'il n'y a pas de problème, je lui passerai, mais de toute façon, si je ne le vois pas aujourd'hui là sur les ondes, il écoutera la vidéo. Hachi, ok, ah ben, ce soir, ça va être un peu compliqué pour moi, puisque il y a la réunion ERCI. Alors, la publique, je crois que c'est 19h, il me semble, je ne sais plus. Et bon, ben, je dois y être à partir de 18h, un truc comme ça, pour entre nous, là, au niveau du bureau. Donc, et ben à partir de 17h45, 17h50, autour de ça, faudrait que je ne sois plus en fréquence. Ok, je te retiens pas plus. Merci d'avoir répondu à l'appel. Et 73-51 à toi et à très vite avec la vidéo. Et bonne nuit surtout. Merci. En fait, t'as les bons chiffres d'Alain Canada 56. Ok, d'accord, ça marche, tout ça retourné, bonne nuit. Hop. Et où? Il est là. C'est bon, 73-51, les 73-51, j'ai entendu une autre station aussi, là, à l'instant même, où t'as pris le micro. Je me suis dit, ça y est, c'est rendormi aujourd'hui aussi. J'ai cru que t'étais reparti faire la sieste. Ah, chie trois coups. Sur le nouveau quoi? Ouais, on a un connard là qui est en train de s'amuser à nous faire des porteuses, là, à nous faire chier là. Ah ouais, on a un abruti là, encore un jaloux là du 625, là, enfin qui vient de nous faire chier là ce 625. Désolé pour la grossièreté, mais quand je vois des cons pareils, ils ont de la chance qu'on les a pas en face de nous, parce que c'est ceux qui ramèneraient pas sa grande gueule comme ça. Ah ben la propague en a décidé autrement parce que pour le coup il est passé tout QRP.
Allez, vas-y, Gilles, reviens. Ok, Santiago 2-3, ouais, autour de ça. Ouais, c'est bon, là, je t'entends. Ah ben, hé, avec les glou-glou-glou qu'on entend derrière, ça va pas aider non plus. Au fait, tu as les 73-51 de Barracuda 56, 14 km 56-07. Il est de passage sur la région, là, sur la Gironde. Oh, c'est bizarre aujourd'hui la pampagne. C'est pas les taches solaires que j'ai vues. Ou alors il est tombé de son siège. Là, là, là. Il est où? Il est où? Ça se trouve, il y en a une qui est au téléphone. Vu qu'elle est en télétravail et que lui a mis le haut-lag. Ouais, je suis toujours là. Ok, toi aussi, mais tu peux plus parler. Ah, Santiago 3 et avec une pointe au niveau du Roger Beep à 4. Ah, ok, j'ai cru qu'il y en avait une qui t'avait mis les hauts là parce qu'elle est au téléphone. Bon, t'as vu que pour les vidéos, ça a été vite fait quand même. J'avais déjà tout préparé d'avance. Il ne restait plus qu'à mettre les listes et enfourner. Et comment? J'ai pas compris, excuse. Oui, le QTH 173, les 73-51 de 14 km, 33-01 Rémi, c'est le sud-ouest France, en QSO actuellement, avec 9 Bravo Charlie 555 sur Québec, du côté de Montréal. Ok, papa, ah ben d'accord.
L'OM, il écoute même pas s'il y a déjà un QSO, il débarque là comme ça, c'est bon, tout va bien, on est sur Facebook. Ah mais hé, Gilles, t'y crois toi, sans déconner? Quoi, ça y est, c'est un qui a demandé ton explication, Émile. Oui, non mais le là c'est dans la déconnade, je vais dire un couple, Hachi, là qui débarque là sur notre QSO, là, en plein QSO ici, il débarque là, il s'installe et puis voilà, tout va bien quoi. C'est la fête. Ah, Santiago 5, ça remonte. Bon, alors, est-ce que t'es bien reposé ce coup-ci? Est-ce que ça va mieux ou c'est pas encore trop ça? Ok, parce que bon, hier, quand j'ai vu ton message, je t'ai plié de rire. Ah putain, j'ai rigolé quand j'ai vu ton message. À midi, quand tu t'es levé. Eh, il y a des fois, quand il faut. Hein. Quand le corps, il dit stop, ben c'est stop. Oui, ça a pris une remorqueuse pour me sortir du lit. Ça a pris une remorqueuse, Rémi. Ah, tu m'étonnes. Ah, ça, je vais bien te croire, oui. Il est où là? Ah, ok, je laisse un blanc. Ouais, toutes les bancifs, Louis, et puis, la part de Gilles sur le Québec et Rémi sur la Gironde, à côté de Saint-Émilion. C'est oui. Ah, il a pris la phrase par cœur. Qu'est-ce que c'est? Ouais, je me doutais bien que c'était de la M vu comment ça passait. Merci beaucoup du retour. La propagation, je crois qu'elle est encore au lit. Là. Elle est encore au lit à ce moment ici. Là. Mais toutes les bons chiffres renouvelés, mon ami Louis, toujours un plaisir de t'entendre ici et toujours la nuit. Il était là. Je dirais bien vu le volume, mais bon. Vu le signal quand même, c'est quand même pas mal. Oui,
C'est assez bas, je crois. Dix pour nous. Ouh, c'est en train de baisser là. Ouais, alors je viens d'aller voir justement la température pour ici, là, sur la Gironde, 10 degrés, là, j'ai. Hein. Et temps pluvieux, enfin pluvieux, très humide. C'est là, bon, ça s'est calmé, mais bon, tout à l'heure, il pleuvait de la plus fine qu'il y avait. Hein. Mais 10 degrés, hein, ça va pas plus haut, là, pour aujourd'hui. Il n'y a plus personne? Ah si, il y a du monde, mais ici on l'aime. Ok, au fait, tout à l'heure, là, dans une heure et quart, dans une heure et quart, là, qu'est-ce que je dis, moi Non, dans 2h15, je vais avoir une réunion, autrement dit ici à 18h. Et tout le week-end, là, je travaille en journée. Quoi. Donc, pas de radio pour moi tout le week-end. Justement, il m'est passé à fond avant que je relance la caméra. Et foup! Waouh, c'est Diego 7. Oui, c'est le fils Zika. Golf India Lima, Golf Alpha Sierra. C'est bien ça, mon ami? Thank you.
capable de tomber endormi. Bon, là, vu l'heure. Gilles, dans 2 heures, je dois être en réunion, un petit peu avant. Oui, TSL, TSL, 5 sur 5, oui, ben ça commence à monter, là, puis on va en avoir pour une couple d'années, là, pour être capable de se faire des contacts qui sont en direct. Oui. Faire un tour, Gilles, sur le forum La Planète Sibi Francophone, pour ceux qui ne connaissent pas encore. Il y a plein de schémas d'antennes et tout ça, et une rubrique spéciale pour ça. La factrice est passée. Bonjour, Claude, juste ce moment, mon ami.
Je suis là. Compliqué à l'entendre. Ouais, je l'entends qu'en direct, mais c'est vraiment QRP. Heureusement que j'ai pas de QRM.
Quand il dit que c'est Glagla, il le pense. Il a froid. L'esquimau, il a froid. Comme dirait Gilles, l'écoute n'est pas plaisante. Merci beaucoup, Gilles. Ah, là c'est mieux. Et à très bientôt. Bonne journée, mon ami. Il est où? Il est là. 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 Ça y est, il a encore disjoncté. Ah, il y a quelqu'un là. Juste un petit moment, Louis, sur la Belgique. Judas avec Rémi Delville. Judas, à toi, Nico. Hop là, j'ai entendu un double Roger Bip là. T'as dû appuyer deux fois sur le micro. Bon, en tout cas là, là j'ai entendu des stations arriver, je les ai entendues en direct, mais c'est très très QRP de mon côté. Hein. Et du côté des web SDR, j'ai rien. C'est tout à l'heure j'arrivais à passer dedans, là maintenant c'est moyen quoi. C'est alors que hier par contre, oui, il y a eu beaucoup de propag, il y a eu beaucoup de choses. C'est arrivé de partout. Tout à l'heure, là, il y a eu les stations. Je pense que ça doit être la Louisiane, puisque à chaque fois, tu me dis que c'est de ce côté-ci, là, quand c'est en AM. OK, bon, eux, ils étaient en AM. Ils ont terminé leur QSO. Autrement, ouais, hier ou avant-hier, je sais plus, il y a eu beaucoup de propag. Hein. C'est oui, puisque t'as même fait des contacts après hier soir. Enfin, pour nous, hier soir. Vu, ah, sympa, le deuxième petit réveil, la deuxième petite horloge que t'as mis à côté. Comme ça, tu as l'heure qui est l'heure du Québec et l'heure de la France en même temps, quoi. C'est vrai que là, c'est cool, ça fait sympa, ouais. Ouh, là, t'es en train de fuir. Tu passes tout petit, tout QRPP, tout QRP, je veux dire. Ah, oh. Pas grave, on va pas insister. Là, je t'ai perdu, là, Gilles. Ouais, c'est à
Ah, quand même, ça y est. Tu remontes à l'étage. Ah, c'est que t'étais rendu au troisième sous-sol, alors forcément ça passait plus. Ah, c'est pas drôle. Et les parasites qui sont de retour. Attrape l'insecticide, Gilles. Thank you.
Il est où? Il est là. Alors c'est marrant qu'il faille qu'il faut ça pour voir si ça passe. Pire que des gamins. Niveau maternel, hachi trois coups. C'est trop beau. Faut pas chercher le sérieux là-dedans. Ben ouais, pourtant là j'ai encore une heure et demie là devant moi. Hein. Moi, mais bon, c'est vrai que là c'est pas top. C'est aujourd'hui, c'est pas top. Ah, par contre, les cons, ils sont là. Eux, ils passent fort. Je dis ça parce que toi, tu passes petit. Ben. Ah, chi. Ok, alors il est 16h24 sur l'ordinateur qui est synchronisé avec Internet, donc 16h24. Ok, merci beaucoup. Et en plus de ça, alors oui, je confirme, parce que tous les smartphones sont synchronisés par Internet. Donc sur les smartphones, voilà, ça vient de passer à 25 à l'instant même. Voilà, 16h25. Donc tous les téléphones, tous les cellulaires sont synchronisés entre eux via Internet. Enfin, sont synchronisés par Internet. Donc là aussi, je te confirme l'heure, 16h25, là maintenant. Tout ce blabla pour juste une tonne d'heure. Wow, il est où? Il est là. Oh putain, Santiago 6. Là, tu m'as surpris, là, je m'attendais pas à ça. C'est que, on dirait que là, pour le coup, même si la propague est là, on est beaucoup moins bavard aujourd'hui. Donc. C'est que, à force de cumuler les QSO, on arrive à trouver de moins en moins de conneries à lire. Hein. Alors oui, j'ai entendu quelqu'un en direct, les 73-51 à la station de 14 km 33-01 Rémy, sur le département de la Gironde. Ah, j'ai pas compris le QTH parce que c'est très très QRP là de mon côté. Heureusement que j'ai pas de QRM là aujourd'hui parce que sinon ça, j'entendrai pas du tout. Je fais un retour de micro sur Gilles parce que là c'est vraiment très très QRP de mon côté. À toi Gilles. Oui, GSL, Rémi, c'est 14 FTX, Portos, Delta X, Oupelage, et sur la frontière franco-belge. Ok, les 73 retournés à la frontière franco-belge du sud-ouest de France. Ah,
Parce que toi, tu m'as dit oui affirmatif, hein. Mais là, je l'entends parler derrière, mais c'est vraiment très très QRP. J'ai boutant d'oreilles et tout. Je l'entends, mais c'est trop QRP, hein. Je l'entends parler, mais j'arrive pas à décoder. Mais 50%, j'y arrive pas. C'est pas gagné. Hein. J'allais dire, j'écouterai ta vidéo, Gilles. Mais non, là, il est au casque. Putain, il l'entend bien, là.
Ok, bon, non, je vais passer en QRT aussi. Hein. D'ailleurs, bon, l'XYL ne va pas tarder à rentrer. Je vais l'aider à décharger la voiture. Elle a été faire les courses. Tout à l'heure, là, il est 16h34 ici. À 18h, enfin, il faut que j'y sois un petit peu avant. J'ai une réunion qui va durer après. Et après, tout le week-end, je travaille en journée. Donc là, je vais en profiter alors pour passer en QRT, travailler la vidéo de suite. Et puis voilà quoi, je vais gagner du temps comme ça. Merci pour le QSO Gilles, ainsi que toutes les autres stations qu'il y a derrière. Les bonnes 73-51 et bon week-end. Merci, j'ai juste entendu le Roger Bip sur la fin. Merci, bye bye. À plus tard. Il était faible, oui.
Remarquez que si en haut la propague, si en haut la propague c'était pas top, là par contre sur les 40 canaux, alors là ça y va à fond. Oh, ben c'est bon. Bon, mais c'est net, je passe une bonne journée, je suis très bien.